hit them on the road. If I'm in there, let me never back. Blanc, j'ai envie de toi. Tu as envie de moi. Pour aller au glacé, ça va passer. Blanc, ouais, je te dis, j'ai envie de toi. C'est quoi cette façon de me traiter? Ce que tu es en train de faire là, c'est un viol. C'est que c'est un viol que tu es en train de faire. Tu parles de viol dans un couple. Nous sommes mariés, monsieur. Tu regardes pas National Geographic. Si un partenaire a besoin, si un partenaire a envie et que l'autre partenaire n'en a pas envie, c'est un viol, ma chérie. C'est pas de viol. On ne parle pas de viol ici, Blacoya. On ne parle pas de viol. C'est quoi? Depuis un certain temps, tu me fuis. C'est quoi? Hein? Je ne te fuis pas. Je ne te fuis pas. Je t'ai dit que pour que je dorme encore avec le caleçon dans le lit ici, là, tu dois avoir ta carte de lecteur. Quelle carte de lecteur? La carte de lecteur vient faire quoi dans un coup? Il faut remplir ton devoir conjugal, Blacoya. Ma chérie, si tu ne me montres pas une preuve d'inscription ou alors ta carte de lecteur, sache que moi, je ne peux plus jamais me donner à toi. La seule chose qui m'excite pour le moins dans la maison, c'est là, c'est la carte de lecteur. C'est ça qui m'excite. Arrête avec cette histoire. Si tu veux baisser mon pantalon, ce n'est que la carte de lecteur qui a les clés de mon pantalon. Arrête avec cette histoire de carte de lecteur. La carte de lecteur n'a rien à voir dans un couple. Et surtout quand il faut remplir son devoir conjugal. Donc, je te soupçonne d'avoir d'infidélité. Je suis sûr que tu as d'autres petites dehors qui te souffrent. Et quand tu rentres ici, tu dors comme un cadavre. Ce n'est pas grave. Tu ne vas pas comme ça, Léa. Va de côté, non. Les pourquoi ne sont pas occupés là-bas. Va de côté. Non, les petites. Attribue-moi toutes les femmes de ce pays. Tu comprends, Benoît? Je t'ai dit, et je répète encore. Tant que tu n'as pas de carte d'électeur, ne t'hasarde plus de mettre tes fibres là sur moi. La seule chose qui peut encore me caresser dans cette maison aussi là, jusqu'à mon corps sans que je sois la carte d'électeur. Pas de carte d'électeur, tu ne me touches pas. La carte d'électeur, tu comprends bien, c'est ce qui va encore faire que moi, je me sens que homme dans cette maison et que tu te sens une femme pour moi. Blacoya et moi, est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu penses à mes envies sexuelles, Blacoya? Nous sommes mariés. Oui. Donc laisse cette histoire de carte d'électeur, laisse cet alibi que tu veux utiliser dans notre couple. Ma chérie, la carte d'électeur que tu vois là, c'est comme le préservatif contre le sida. La carte d'électeur te remène contre la fraude électorale. Si pour toi, tu ne trouves pas l'importance et l'utilité d'avoir une carte d'électeur, alors que tu es la première à te plaindre de tout et de rien. Mais je me plains avec raison. Ok, c'est bon. Je te dis donc, si tu veux que mon corps se lève, il n'y a que la carte d'électeur qui sera en ta possession, qui va pouvoir me faire mon corps se lever. Toi, je suis plus sensible à toi. Hé, hey, tu me fais quoi là? D'accord, si tu ne me satisfais pas, personne ne dort. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. D'accord. Et c'est ainsi. Ok. C'est pas si je me connais mal. Hein. Tu connais dans quel quartier j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans un quartier avec une inondation. L'eau nous a arrivé ici, là. Le reste de la tête dormait. Tu comprends, non? Donc, tu te fous de moi. Même debout, je dors. Même debout, position debout, je dors. Ça me dit, regarde. Avant, c'est pas pour ça que tu couches à côté de moi, tu es là, non? Quand tu auras la carte, tu vas voir comment ça s'est relevé. Ça dort. C'est parce que ça ronfle, pas s'en parle, parce que ça devait ronfler. Tu entends. J'adore. Tu veux que ça se lève, tu sais quoi faire. Sache que dans ce que tu appelles devoir conjugal, là, parmi les devoirs d'une femme aujourd'hui, c'est pas seulement préparer et faire l'amour à son mari. C'est être capable aussi de prendre ses responsabilités en tant que femme, prendre sa place dans la société. Tu as compris, non? Partez à l'école. Vous ne votez pas d'école, là. C'était juste pour venir faire la cuisine à la maison des gens. Après, tu seras la première à me dire égalité. Tu n'as pas d'égalité là. C'est quand tu veux que je t'achète le panier de Winmax. Tu n'as pas d'égalité, c'est quoi? C'est quand tu vas aller à un funérail. Quand tu veux y avoir la poudre à ta main. C'est là où tu n'as pas d'égalité. Tu es capable de prendre une petite responsabilité. Seigneur, me voici encore devant de toi. Père, je suis en train de perdre mon mari. Mon mari n'est plus attentionné. Mon mari n'a plus Dieu sur moi. Seigneur, pardonne.
pardon. Prends contrôle de mon foyer. J'en ai marre, Seigneur. J'en ai marre. Mon Dieu, je ne sais même plus quoi faire. J'essaie d'être une femme parfaite dans cette maison. Mais il ne me regarde plus comme une femme. Il ne me regarde plus comme au premier jour, comme au premier regard, mon Dieu. Je t'en prie, prends contrôle de mon foyer. Prends contrôle de mon foyer. Que tout ce qui détournait son attention, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui détourne son attention soit détruit au nom de Jésus. Pardon, Seigneur éternel, je ne suis qu'une pauvre servante qui vient devant de toi. Regarde-moi avec des regards miséricordieux, je t'en prie. Lydie, vous payez le salaire à Jésus là. Vous le mettez au travail comme ça, vous le payez. Vous virez son argent dans quelle banque? Lui-même dans la Bible, il dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Tu es incapable de t'aider toi. Tu veux que Jésus soit maçon dans ton chantier, que Jésus soit ingénieur, Jésus soit manœuvre, Jésus doit être électricien. Tu ne veux rien prendre sur toi, Jésus doit tout faire pour toi. Alors que Jésus t'a donné la force de tout faire. Qu'est-ce qui est difficile? Tu estimes que parce que tu es demandé à t'inscrire sur liste électorale, parce que j'ai dit que tant que tu n'as pas une carte d'électeur, tant que tu n'as pas la preuve de ton inscription, toi et moi ne dors plus dans le lycée. Tu estimes que non, je n'ai plus les yeux sur toi. Non, ce n'est plus comme au premier jour. Tu es la première ici. Ce n'est pas toi qui te plains ici chaque jour que je suis arrivé sur le marché. Les prix ont grimpé. Oh, les produits de première nécessité ne sont plus accessibles pour tout le monde. Tu es la première à te plaindre ici. Ah, les appareils ont été grillés parce que les yeux coupent et nous envoient. On coupe la lumière à tout moment. Et on ne consomme pas l'eau, mais on se retrouve en train de payer les grosses factures. Tu es la première ici tous les jours. J'ai mis 1000 francs de connexion. Ça a disparu. Je ne sais pas. Je te donne la possibilité de décider de la qualité de connexion que tu souhaites avoir. Je te donne la possibilité de décider de la qualité du panier de la ménagère que tu souhaites recevoir désormais. Non, tu veux confier à Jésus. Il faut savoir une chose, hein. Quand vous décidez de ne pas prendre vos responsabilités, les cancres prennent la responsabilité. Jésus bénit. Parce qu'on dit dans la Bible que toute autorité vient de Dieu. Donc même le cancre qui va aller s'inscrire, voter. C'est-à-dire que même si c'est un cancre qui est voté, Jésus va lui donner votre Jésus, là, ton Jésus que tu pries chaque soir. Là, parce que je ne suis pas sûr que c'est le même Jésus. Parce que même Jésus dit que prenez, tel que aide soit le ciel t'aidera, prenez vos responsabilités. Black, là, tu reviens avec cette histoire de carte d'électeur. Oui. Sache que tant que tu n'as pas de carte d'électeur, Jésus ne va pas t'aider. Okay. Tu comprends bien, donc ça ne changera rien. Prie Jéhovah, mélange avec Israël, mélange même avec Babena, tu comprends bien. Ça ne changera rien tant que tu n'as pas de carte d'électeur. D'accord. Je crois que je ne te plais plus. Je n'ai plus. Tu n'as plus d'estime pour moi, en fait. Ah bon? Black, parce qu'elle te demande d'être s'il te plaît, je crois qu'il est mieux qu'on se sépare, hey, qu'on divorce. Si c'est cette histoire de carte d'électeur qui conduit dans cette maison, Black, on divorce. Si c'est vrai que pour divorce, tu es libre. Prends tes choses. Tant que tu vas comme ça, le coup tu expliquais que tu peux au tribunal, le coup tu expliquais que c'est moi-même qui suis parti. Prends tes choses, tu pars. Blanque, c'est tout pour la carte d'électeur, Seigneur. C'est quoi cette histoire, carte d'électeur? C'est quoi ça? Bro. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comme je vous dis là, Black n'a plus Dieu sur moi. Il me traite ici comme je ne sais pas, comme si j'étais son pot de fleurs à la maison. Il ne me regarde plus. Aurore, je ne cesserai de te poser la même question. Tu es sûr que toi-même, tu fais ce que ton mari te demande? Maman, je suis une femme exempte. Tu lui fais normalement à manger? Si, maman, regarde même comment je m'habille à la maison. Tu laves ses vêtements normalement? Maman, c'est ce que tu m'as dit. C'est lui qui est fautif. Maman, je te dis qu'il a bien de me tromper. Il a trop de vidéos. Sérieux? Quand tu voudrais voir quelqu'un, un jeune qui a réussi sa vie tôt comme ça, tu crois que quoi? C'est un joueur. Tu crois qu'il loge pas les vidéos? C'est un joueur. Ouais, on connaît tout ça. Ils sont nombreux.
Est-ce que quoi les petits jeux? Mais même s'il joue, est-ce qu'il doit alors priver ma fille de regarde le prétexte qu'il prend. Le prétexte, carte de c'est carte directeur. Ça pousse dans ta tête. C'est un Samsung. En tout cas, hein, on ne juge pas le problème d'un côté. On l'attend aussi. Hey. Ah, oui, mon beau. Comment? Ça va, papa, bonne arrivée. Mon petit, ça va? Qu'est-ce qui t'amène ici, belle-mère? Ah, mon beau, vraiment, c'est ta fille qui m'a trouvé à la maison avec les pleurs. Tu tournes pourquoi? Les pleurs. Tu tournes pourquoi? Elle a dit qu'il est infidèle. Pourquoi? Tu tournes pourquoi? Parce que. Dit, la brutalité que tu es en train d'amener là, tu vas tenir. Dans le chemin que tu es en train d'emprunter là, ça va tenir. Mon fils, calme-toi, allons-y doucement. Mon beau, vraiment. Tu as voté chez moi le chat. Tu as voté chez moi le chat. Oui, bébé, je t'écoute. Oui, mon beau, comme mon fils a dit, vraiment, c'est que ta femme est venue se plaindre et voilà, c'est comme ça. C'est qu'il ne recèle pas ses devoirs. Pourquoi tu tournes? Dis ce qu'il faut dire, non? Mon beau, qu'est-ce qu'il enlève véritablement? Mais il dit, quand on parle, le Kukupanzala ouvre sa bouche jusqu'à il raconte des bêtises. J'espère que c'est ce qu'il compte. Non, c'est parce que. Bébé, je t'écoute. Oui, donc, comme il a dit là, c'est comme ça. Bon, mais, par respect pour toi. Belle-mère, par respect pour toi. J'accepte de me prêter au jeu. Merci. Parce que c'est intégré pour le Kukupanzala, le Kukunufla. C'est-à-dire que je ne pourrais pas perdre le temps. Merci, mon beau. Mais avant tout débat, est-ce que tu as... Sur la carte d'électeur. Encore cette histoire de carte d'électeur. Qu'est-ce que la carte d'électeur a à faire dans une réunion familiale? Ben, s'il te plaît, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Parce qu'avant tout débat, il faut ça. Ah bon? Oui. Ça sert à quoi, mon beau? Est-ce que tu as la carte d'électeur, belle-mère? Ouais, donne des respects, respecte aussi, non? Est-ce que ça a un problème, mon beau? C'est la même folie. La même folie tout le temps. Carte d'électeur, carte d'électeur. Mon beau, j'ai ma carte. Ah, voilà, j'ai ma carte, mon beau. Ça, c'est bien. J'ai dit, le Kukupanzala qui ouvrait sa bouche là, est-ce qu'il peut me présenter sa carte d'électeur? Tu fais quoi ça? Tu veux quoi là? Tu me demandes que la carte d'électeur c'est quoi? Est-ce que tu peux sortir chez moi? Je sors de chez toi. Mets-toi! Est-ce que tu peux te mettre dehors? Je sors chez ma soeur. Oh là, je sors chez toi. Ta soeur a conçu une maison ici. Est-ce que tu peux te mettre dehors? Il faut lui dire. Dis-lui que j'ai acheté l'arme parce que si je me lève ici, je prends mon arme. Il va tirer sur quelqu'un. Non, tu vas te mettre. Ok, il ne va pas se mettre. Alors, comme je prends mon arme, on va te dire. Il va pas sortir. Maman, tu vois. Maman, avec ce genre de comportement, qu'est-ce que je peux bien faire dans cette maison? À cause de la carte d'électeur, il ose mettre mon petit frère dehors. Bon. Maintenant, belle-mère. Oui, mon beau. Est-ce que tu peux accepter de te prêter à une séance de questions-réponses? En fait, est-ce que je suis venu ici pour l'interrogatoire? Comment tu peux... Belle-mère. Je suis venu résoudre vos problèmes. Si je te respecte, respecte-moi aussi un peu. Pourquoi tu as la carte d'électeur? Ah, bon, en fait, ma carte d'électeur, ça permet dans un premier temps de remplir mon droit de citoyen. Mon droit et devoir de citoyen. Voilà, donc c'est tout à fait normal pour chaque citoyen de son pays en âge de voter d'avoir cette carte. Et même d'aller voter. Et même d'aller voter, pourquoi pas? Bon, parce que mon pays. Si je comprends bien, c'est que tu n'as pas envie de subir. Non. Mais tu as envie d'être parmi les décideurs. Exactement. Parce que grâce à ta carte d'électeur, qui est comme le préservatif de la fraude électorale. Ça dit, c'est exactement ce que le préservatif est pour le sida. La carte électorale est la même chose pour la fraude électorale. Grâce à cette carte électorale, tu as envie de choisir par ta conscience le citoyen que tu souhaites qui conduise les affaires du pays selon ta compréhension. Au moins, tu ne seras plus là à te plaindre. Au moins, tu auras la possibilité de dire que j'avais choisi telle personne
et tu vas pouvoir assumer les conséquences. Justement. En fait, tu as décidé d'avoir la carte d'électeur parce que tu as compris que quand les intelligents, quand des personnes sages, oui, quand ceux qui se disent savants décident d'abandonner, de ne pas prendre les responsabilités, les cancres décident de prendre la responsabilité et confient le pays à un cancre. Ah, ça. Donc, pour éviter d'être parmi ceux qui vont pleurer demain, tu prends les devants en t'inscrivant. Belle analyse. Mon. Mais tu ne t'arrêtes pas seulement à t'inscrire. Tu vas voter. Justement. Et si possible, tu contrôles ton vote. Pourquoi pas? Et encore plus loin, tu défends même le vote. Wow. Et ça, avec ça, tu parviens à lutter contre la fraude électorale parce que plus vous êtes nombreux, moins il y a la possibilité de voler, de tricher, de voler, de frauder. Oui. Plus vous êtes nombreux, moins il y a la possibilité de frauder, de tricher. Depuis quand vous êtes là, ça a changé quoi? Maman, voilà celle qui est mon épouse et qui a une licence. Ou sa licence là, c'est pour servir l'essence dans les services d'essence, je ne sais pas. Celle à qui je dois confier l'éducation de mes enfants. Elle ne connaît pas l'importance d'une carte électorale. Vraiment. Elle ne connaît pas l'importance de poser l'acte de vote dans les urnes. C'est une bombe que je laisse pour l'éducation de mes enfants. Comme moi j'ai décidé de ne pas laisser les luttes de ma génération aux générations futures. Comme moi j'ai décidé de ne pas confier les luttes de mon temps aux enfants qui vont venir. J'ai dit que sous mon toit, tant que mon épouse ne pourra pas suivre le même chemin, ça, on ne sera pas en harmonie. Je suis nous n'avons aucun autre d'accord. problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon fils. Tout à fait d'accord. Tu écoutes ça? Voilà une belle analyse. Voilà une très belle analyse. Ne pas faire ce qu'on a fait, c'est ça, vous êtes à ceux. Est-ce que tu comprends? Qui veulent détruire, détruire. Mais maman, il ne m'a pas expliqué ma fille, ça avant. Il ne t'a pas expliqué ça avant. Tu allais à l'école pourquoi? Les diplômes que tu as eu, ça t'a servi à quoi? Il faut réfléchir avec ta tête, ma fille. Donc, pourquoi tu ne m'as pas expliqué comme vous venez de le faire là? Il faut me le dire pour que j'aille voter. Très important. En fait, pour que j'aie ma carte d'électeur. Très, très, très important. Chaque citoyen devrait avoir sa carte, pas pour orner sa poche ou son porte-monnaie, mais aller voter. Aller voter. Faire son choix. Pour être sûr que les choses vont marcher comme il veut et non comme les autres veulent. Ne laissez plus les gens décider pour vous. Ne subissez plus seulement ma fille. Moi, je dis, la carte de lecteur, là, ça sort comme la carte d'identité. Parce que depuis là, tu fais la carte d'identité, ça ne sort même pas. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Les points de vote sont disponibles partout. Tu vas, tu fais dans un premier temps, on te donne un reçu. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, on va t'appeler et tu viens récupérer ta carte. C'est gratuit. C'est gratuit, ma fille. C'est gratuit. Maintenant qu'elle est revenue au bon sentiment, voilà, et qu'elle a compris que la carte d'électeur est exactement ce que le préservatif est pour le sida. La carte d'électeur est le numéro de médicament à la fraude électorale. Je vais t'acheter une nouvelle voiture. Et belle-mère. Et mon beau-fils. Une nouvelle perruque. Oh, mon beau-fils. Mon beau-fils. Merci beaucoup, chérie. Tu vois ce que tu as failli nous faire rater. Tu vois ça? Citoyen conscient et consciencieux, nous devons tous nous inscrire sur les listes électorales. Inciter les gens autour de nous à s'inscrire. Allez voter. Surveillez le vote. Si possible, le défendre. Parce que la carte d'électeur est comme le préservatif contre la fraude électorale. Mon frère, j'espère que j'aurai mon visa. Tu me fais pas confiance. Et que dès que tu fais sur ton argent, dès demain, on commence la procédure. Et si tu as un peu de chance, 6 mois, tu as le visa. Ah bon, hein? Tu prends l'argent de quelqu'un et tu lui parles de chance. Mais je dis, pourquoi vous aimez côtoyer la difficulté de moi? Je ne fais que me poumoner depuis un certain moment ici au quartier.
pour vous rappeler que l'immigration internationale européenne ne prend même pas 5 francs de la HAP. C'est-à-dire, on commence ta procédure jusqu'à ce que l'État canadien accepte ton dossier. Tu reçois le mail d'invitation avant de commencer à payer. Mais comme vous n'aimez pas ce qui est facile, vous voulez toujours jouer à ça. Donc tu ne donnes rien. Oui, il ne savait même pas. Hein. C'est vrai. Tu souhaites avoir un visa de résidence permanente, encore appelé programme des travailleurs qualifiés, un visa étudiant ou un visa visiteur, contactez juste Immigration Internationale Le Repère au plus 237 692 02 55 94 au rendez-vous dans nos bureaux à Bonaberry Bonassama, ancienne route entre le tribunal et la pharmacie du pont. Attention, aucun risque d'arnaque, vous payez les honoraires à la fin de la procédure. Avec Immigration Internationale Le Repère, immigrer sans stress.